Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour cette 10e session de l'atelier de réflexion coranique. Donc, on aura une introduction en 3 points, l'intervention des 2 participants de la soirée, un résumé ou le partage d'un point exégétique avant de conclure par la synthèse. Donc, au départ, on va partager là un hadith sur le statut du Coran. Ce hadith nous est rapporté de Al-Kafi, de Cheikh Kolayni, dans son Al-Kafi, volume 2, page 613. Et il nous a rapporté ce hadith via sa chaîne de transmission qui l'amène à l'imam Sadiq alayhi salam. Donc, An Abi Abdillah alayhi salam, قال ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل مسجد خراب لا يصلي فيه أهله وعالم بين جهال ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. C'est un hadith qu'on a souvent entendu et que là je ramène avec, on va dire, la source, une très très bonne source qui est Al-Kafi, donc rapportée de Abu Abdillah alayhi salam. 3 choses se plaindront à Allah, le puissant et le majestueux. La première de ces choses, c'est une mosquée vétuste, ancienne, même abîmée, où les gens avoisinants ne prient pas. Deuxième chose, un savant parmi les ignorants. Et troisième chose, et un Coran suspendu, plein de poussière qui n'est pas lu. Si un Coran suspendu, c'est pour dire que voilà, souvent des personnes utilisent le Coran pour le suspendre dans les maisons, dans la voiture. Actuellement, par exemple, on en voit beaucoup. Et que ce Coran, finalement, il finit par se remplir de poussière, surtout au niveau de sa couverture, ce qui montre qu'il n'est pas lu, qu'il n'est pas ouvert. Donc ce Coran va se plaindre auprès de Dieu, devant Dieu, le jour du jugement. Donc ici, on a ramené ce hadith toujours dans cette série de hadiths qui nous incite à lire le Coran. Donc encore une fois, ici, on a un hadith qui nous incite à la lecture du Coran et de ne pas délaisser cette lecture. On avance avec le second point de l'introduction et la lecture d'une page coranique telle que l'on s'était fixé. Et aujourd'hui, on va passer à la sourate Al-Furqan, la 25e sourate du Saint-Coran selon l'ordre actuel, page 359-360 selon la version Othman Taha. Donc on y va. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون
فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On va maintenant donc passer à la lecture des versets choisis. Et donc on va demander à quelqu'un de se manifester pour lire ces versets et bien entendu selon les règles de jeu que l'on s'était fixées au départ, ben, il va être chargé de faire la synthèse en fin de session. La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas? D'accord. Deuxième verset. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des emplois. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis, elle se fane et tu la vois donc jaunir. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Très bien, troisième verset. Et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle. Puis, elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Et enfin, dernier verset. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. D'accord, très bien. Donc, merci beaucoup pour cette lecture. Et ne nous fais pas le coup du lapin, on reviendra te voir en fin de session pour que tu nous présentes ta synthèse, d'accord? Allez. On enchaîne avec donc la première intervention de Abdel Hussein Achirine. Donc je vais procéder verset par verset et au final un petit résumé. Et quelques questions qui sont dedans, un peu désorganisées, mais je n'ai pas pu faire mieux. Donc, le premier verset de la sourate 6, verset 32. On parle de la présente vie, que je qualifierais de monde illusoire, parce que justement, on dit qu'elle n'est que jeu et amusement. Je dirais aussi que jeu et amusement impliquent plaisir éphémère et illusoire. Donc là, on fait allusion aux nombreuses illusions de ce monde,
qui au final n'est qu'éphémère, comme ses plaisirs et les amusements qui sont de courte durée. Donc, contrairement à ce monde éphémère, il y a notre demeure dans l'au-delà qui, elle, est éternelle, mais ne sera meilleure que pour les pieux, c'est-à-dire ceux qui auront donc cherché à atteindre la piété dans ce monde au lieu de se perdre dans ses illusions. Ensuite, il y a la phrase « Eh bien, ne comprenez-vous pas ?» que je prends comme une emphase, je le prends comme une secousse, comme pour me réveiller et me faire prendre conscience du fait que ce monde n'est que de courte durée et que l'au-delà est l'éternel. Une petite remarque dedans, c'est que l'homme a tendance à oublier. Donc, ce verset est une prise de conscience. On a tendance à oublier que le monde pour lequel on se préoccupe tellement, au final, ben, il est futile, de courte durée, et surtout, il ne nous mène nulle part réellement. Il n'y a pas d'objectif réel ou concret. La question pour ce verset, c'est qui sont exactement les pieux ? Que doit-on aspirer à devenir pour être pieux ? Et qu'impliquent exactement les jeux et amusements dont on parle ici ? Ensuite, le verset suivant commence par « Sachez » que je prends comme une mise en garde. Puis on répète « Jeux et amusements » comme le verset précédent. Mais là, on rajoute en plus « Vaine parure » qui rejoint la notion d'illusion que j'ai évoquée dans le verset précédent. Ensuite, il y a une image du cycle de la vie avec la pluie qui embellit la végétation et émerveille les cultivateurs. Puis la végétation se fane, elle se jaunit et puis elle finit en débris. Et là, on peut remarquer que même dans jeu, amusement et vaine parure, il y a une certaine chronologie de la courte existence d'un être humain, en fait. Par exemple, l'enfance, on la passe dans les jeux et les amusements. La jeunesse et l'adolescence dans la vanité, on veut se montrer, on veut dire qu'on est là. Et la maturité et la vieillesse, ben, on la passe dans l'orgueil et la fierté de notre richesse et de notre progéniture. Et même que notre statut dépend de ces deux facteurs, qui, comme la végétation, eh ben, ils sont voués à disparaître. Puis on parle de l'au-delà, où il y a deux demeures, le dur châtiment et le pardon et l'agrément d'Allah. Je dirais que le dur châtiment, c'est le contraire de l'agrément d'Allah, donc le désagrément. Et donc, que le pardon et l'agrément d'Allah sont ben, la félicité. Ensuite, on finit par une mise en garde contre l'illusion trompeuse des jouissances de ce monde qui nous mèneront à la perte par le fait que ben, elles nous dévieront de notre destination finale. Puis il y a le verset 45 de la sourate 18. Encore une fois, on compare la vie à une eau, précisément la pluie, parce qu'on parle du mélange de la végétation avec cette eau, donc la pluie. Et on dit « Elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent », c'est-à-dire tout comme la végétation disparaîtra et plus rien ne restera, la vie d'ici-bas, elle aussi, elle disparaîtra. Et aucune de ces jouissances ou ornements ne demeurera au final. Là, enfin, il y a un attribut d'Allah qui insiste sur sa puissance et sur le fait qu'il a la main sur le destin de chacune des choses. C'est lui qui décide si elles périront ou au contraire si elles subsisteront. Et finalement, le dernier verset, sourate 40, verset 39. Donc, en lisant les versets précédents, j'ai pu contextualiser le verset. C'est le prophète Moussa qui s'adresse à son peuple et il veut les mettre en garde contre les illusions de ce monde et il les invite à le suivre et ainsi croire en la rétribution et la vie de l'au-delà qui est notre destination finale où nous demeurerons éternellement parce que l'au-delà, lui, ne périra pas contrairement à notre vie ici, notre monde. Globalement, le thème commun de ces quatre versets que j'ai pu tirer, c'est la prise de conscience de l'éphémérité ou la petitesse de ce monde face à l'au-delà. Et une dernière petite remarque, c'est qu'il est important de se remémorer notre but, la raison pour laquelle on a été créé, et notre finalité pour ainsi rester sur le droit chemin et ne pas se laisser dévier du chemin comme on aurait tendance à le faire par simple oubli de l'au-delà, en fait.
Bien évidemment, il ne faut pas se dire que Allah nous encourage à nous focaliser que sur l'au-delà et ainsi oublier l'ici-bas. Non, c'est juste une mise en garde pour nous rappeler afin que on puisse combattre et résister aux illusions, aux jouissances et aux ornements de ce monde. C'est tout. Ok, bon, c'est déjà beaucoup. Arsène, merci beaucoup pour cette belle explication. Et on va passer à la deuxième intervenante, Sarah Nassor. Hello, salam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. D'accord. Alors, du coup, Eshrine a dit énormément de choses, mashallah. Du coup, je vais peut-être répéter un peu ce qu'elle a dit, mais j'essaierai d'enlever les choses qu'elle a dites. Donc, pour le verset, le premier verset, donc le verset 32 de la sourate 6. Alors, moi, j'ai noté, comme elle, qu'on parlait de la vie sur Terre, parce qu'on parle de la présente vie. Ensuite, on parle de jeu et amusement, donc exactement comme Ashrine, elle disait que c'était quelque chose d'éphémère qui ne dure pas. Moi aussi, j'ai noté la même chose. Et ensuite, on nous dit la demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Alors moi, j'ai eu une réflexion un peu étrange, mais je me suis dit qu'en lisant ça, en fait, que seuls les pieux pourront apprécier en fait l'au-delà. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai faite. En fait, j'ai eu l'exemple d'une personne qui goûte un bon plat et qui trouve ça juste bon. Et l'exemple d'une personne qui, au contraire, est fin connaisseur et qui va réussir à déceler toutes les subtilités du bon plat. Moi, je le vois comme ça quand on nous dit « la demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux ». C'est-à-dire que seuls eux pourront apprécier en fait à sa juste valeur l'au-delà. Enfin, je le comprends comme ça. Et ensuite, on a « eh bien, ne comprenez-vous pas ». Et ce « eh bien, ne comprenez-vous pas », il me fait penser quelque chose qui coule de source. C'est-à-dire que c'est comme quand on dit à un enfant « mais tu comprends pas, enfin, j'essaye de t'expliquer pendant 10 minutes là, mais tu comprends toujours pas, t'arrives pas à comprendre ». Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Ensuite, le verset d'après, sourate 57, verset 20. Donc ça commence par « sachez », donc moi aussi je vois par ce verbe une mise en garde. J'ai l'impression qu'on veut nous prévenir pour éviter qu'on souffre, parce qu'ensuite on nous parle de jeu, d'amusement, de vaine parure, d'une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Et en fait, si on regarde bien, et tout ça on va l'expérimenter au cours de notre vie. Donc j'ai l'impression qu'on a envie de justement nous prévenir qu'on va vivre tout ça et qu'il faut éviter de tomber dans ces travers. Concernant le jeu et l'amusement, donc moi je vois toujours quelque chose d'éphémère. Pour la vaine parure, j'ai l'impression que c'est quelque chose, en fait le monde est quelque chose qui ne mérite pas son prix. C'est beau, mais ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, la course à l'orgueil entre vous, la rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants, moi, ça me fait penser à l'ego et au fait de nourrir en fait notre ego. Donc, on nous met en garde contre cette chose-là. Et ensuite, il y a la comparaison. La comparaison entre la pluie et le monde. Et en fait, donc on nous dit que la pluie, elle permet de faire croître la végétation, qui va émerveiller le monde, qui va émerveiller les personnes de ce monde, mais que in fine, en fait, cette végétation, elle va être réduite à néant et en poussière. Et donc en fait, moi, ça me fait penser donc il y a la corrélation avec le monde, et ça me fait penser que en fait, dans ce monde aussi, on peut voir de très belles choses, mais que finalement, tout va périr et que rien ne restera. Et donc, en gros, enfin, d'après moi, ce serait plus une mise en garde contre l'attachement devant les beautés de ce monde. Et ensuite, ah oui, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Alors, en fait, moi, je le voyais plus comme quelque chose
D'abord, il y aura le dur châtiment, ensuite il y aura le pardon, et ensuite il y aura l'agrément d'Allah. Pourquoi ? Parce que, enfin, d'après moi, c'est mon interprétation encore une fois, ça ne peut pas être, enfin, d'après moi, encore une fois, ça ne peut pas être soit l'un, soit l'autre. Pour moi, une personne qui n'arrivera pas in fine à avoir l'agrément de Dieu, ce serait une terrible punition de base. Je pense que d'abord, il y aura un dur châtiment. Enfin, moi, je le lis comme ça. Le dur châtiment, puis le pardon, puis l'agrément de Dieu. En fait, je vois quelque chose de progressif. Et tout cela se passera dans l'au-delà. Et ensuite, et la vie n'est que jouissance trompeuse. Moi, ça me fait penser à l'expression « il ne faut pas se fier aux apparences ». C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a un plaisir dans ce monde, mais il ne faut pas se laisser avoir par ces plaisirs. Il ne faut pas se laisser fourvoyer par les apparences de ce monde. Ensuite, le verset 45 de la sourate 18, on a encore l'exemple de l'eau et de la végétation. Et là, moi, ce qui m'avait frappé, tout comme Oshrin d'ailleurs, c'était la puissance d'Allah. Le fait que c'est lui qui fait descendre du ciel l'eau, c'est lui qui a la toute puissance, c'est tout est entre ses mains. Et même si on a parfois l'impression qu'on a des choses entre nos mains, finalement, il faut pas oublier que tout est entre ses mains à lui. Le verset 39 de la sourate 40, le mot qui m'a frappé dans ce verset, c'était stabilité, la demeure de la stabilité. Quand j'avais lu ce verset, je m'étais dit que c'était pas quelque chose de très attrayant, la stabilité. Quand on est jeune, on a l'impression que la stabilité, c'est pas forcément la chose la plus attrayante au monde. Mais finalement, en fait, moi, je le vois comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une opposition entre la jouissance temporaire de ce monde et la stabilité de l'au-delà. Et que finalement, dans ce monde, ce sera temporaire, alors que dans l'au-delà, ce sera perpétuel et éternel. Et que ce sera aussi une jouissance, mais qui ne sera pas éphémère, mais qui sera... éternel en fait. Donc voilà. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais faire juste un commentaire sur la méthodologie présentée par nos deux intervenantes. En fait, ça me fait énormément sourire. Pourquoi ? Parce que ça me fait penser aux mufassirines, aux exégètes. Souvent, les exégètes, lorsqu'ils font le tafsir des versets les uns après les autres, donc ils donnent le sens du verset et ensuite ils donnent leur comparaison, soit ils critiquent ou soit ils disent qu'ils sont d'accord avec d'autres exégètes. Par exemple, Allama Tabatabai, il se réfère à Al-Fakhr Razi, qui est un grand exégète sunnite, et il ramène son opinion, il dit voilà, je suis d'accord, ou peut-être qu'il va ajouter une subtilité. Donc là, entre les interventions de Ashlyn et Sarah, je retrouvais quelque part ce jeu-là, même si bon, au niveau de la critique, nous dans notre environnement et dans notre culture, on n'est pas habitué à critiquer directement les opinions de façon scientifique, c'est normal parce qu'il n'y a pas cette habitude, mais l'apport de subtilité de la part de Sarah avec une comparaison de ce que Ashlyn disait, ben je retrouvais un petit peu, on retrouve ce jeu chez les Mufassirines. Aussi, la façon d'être méthodique, c'est-à-dire on décortique d'abord le verset, on les décortique en phrases et on essaye de donner une explication phrase par phrase. Ça, on le retrouve énormément chez Majmou' al-Bayan, Cheikh Tabarsi, qui a vécu au 6e siècle de l'Égypte. Son tafsir, il est très, très connu. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, on prend des réflexes d'exégète avec le texte qui est devant nous et qui est la traduction du Coran. C'est intéressant aussi de remarquer à la fin où, concernant le terme stabilité, Sarah nous donne au départ le sens qui lui est venu dans l'esprit et qui n'était pas un sens à connotation positive pour elle, mais ensuite elle s'est ravisée et elle a dit que non,
c'est pas le sens qui semble être voulu par le verset, mais c'est le sens en contrepartie de l'éphémérité ou le caractère, on va dire, limité du bas-monde. Donc, voici quelques remarques au niveau des interventions qui, toutes les deux, étaient très, très excellentes et, on va dire, très fructives. Alors, moi, au niveau de mon commentaire à moi, ben, finalement, puisque les interventions étaient complètes, je serais peut-être un peu répétitif. Et je vais poser une question, puisque là, on a regardé des versets qui montraient le caractère très limité ou éphémère de ce monde, et que finalement, ce monde, ce n'est pas l'objectif, il ne vaut pas grand-chose. Mais qu'est-ce que nous faisons dans ce monde? Si ce monde est illusoire, si c'est une illusion, ben qu'est-ce que nous faisons dans ce monde? Et c'est là que je vais ramener cette règle que l'on a apprise pour comprendre le Coran, c'est qu'il faut regarder les autres versets pour avoir une vision beaucoup plus globale du message coranique. Donc déjà, il y a un verset 16:97, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Donc ici, on voit qu'une des responsabilités que nous avons dans ce bas monde, c'est de croire à la vérité, donc aller à la recherche de la vérité et de la vraie philosophie de cette existence, de cet univers, de ce système existentiel. Et bien entendu, croire seul ne suffit pas, selon le message coranique, en tout cas selon ce verset, c'est clair, il faut aussi agir et faire de bonnes œuvres. Deuxième verset, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent, qui est confirmé par le verset d'après. Celui qui a créé la mort, donc Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Donc, on aura des épreuves à passer dans ce monde. Il y aura des challenges qu'il faudra répondre et il faudra être authentique dans ces épreuves, dans cette charge que nous avons et que nous aurons à répondre durant notre passage dans ce bas monde. Le deuxième point que je voulais relever, c'est toujours de rappeler, et là, Chérine a bien marqué le fait qu'il ne fallait pas oublier que l'homme a tendance à oublier et qu'il n'aime pas faire des bilans non plus. C'est là qu'il faut essayer toujours de voir ce que l'on fait dans la vie et de retirer des enseignements, faire des bilans. Donc, en général, si on prend l'espérance de vie en France, pour les hommes, c'est 82, pour les femmes, c'est un petit peu plus. On a plusieurs étapes dans la vie. Au départ, on a l'enfance et l'adolescence jusqu'à 18 ans. Ensuite, on a l'âge adulte, allez, je vais dire de 19 à 65 ans. J'ai mis 65 parce que c'est l'âge de la retraite en France. Et après, c'est la vieillesse. Et c'est là qu'il faut bien se dire que durant, par exemple, j'ai 30, 35, 40 ans, 20 ans, ben, je fais le bilan de ce que je fais dans la vie, de ce que j'ai fait. Et est-ce que finalement, le temps que j'ai passé, j'ai perdu mon temps ou je l'ai utilisé pour servir mes objectifs, pour aller à la recherche de la vérité, pour avoir la bonne croyance, pour faire de bonnes œuvres, ou j'ai perdu mon temps à droite, à gauche, à jouer, à m'amuser et finalement j'ai gaspillé tout ce temps et toute cette grâce qui m'a été donnée. Et là, je ramène ce verset qu'il faut faire attention, toujours faire des bilans et regarder ses actions. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. D'accord. Et c'est là que si on réfléchit, en tout cas moi quand je réfléchis ou que j'observe les autres, souvent sans porter de jugement bien entendu, souvent en fait une décision
peut nous faire perdre des années. Des fois, on décide soit de, je sais pas moi, de travailler avec un groupe bien précis, ou entreprendre une mission précise, ou se marier avec une personne qui n'est pas adaptée, par exemple, pour les objectifs ultimes que l'on s'est fixés. Et automatiquement, on voit que soit on perd du temps, ou soit les personnes perdent du temps. Et finalement, c'est du gaspillage énorme, c'est dommage. Et souvent, après, ils se rendent compte que finalement, ils ont fait de grosses erreurs, qu'ils ont perdu 10 ans, 15 ans, 20 ans dans leur vie pour ne rien faire finalement. Et ça, le Coran, il le marque, il le dit clairement, et il nous met en garde vis-à-vis de ce genre de danger. Surtout le danger de s'attacher à des choses éphémères qui n'ont aucune utilité dans, finalement, dans les objectifs que l'on recherche. Donc, c'était le point que je voulais vous partager. Et on va passer à la synthèse avec notre ami Ghulam Raza. Bah, tu veux. Ok, c'est bon, on t'entend. Alors, comment résumer ce qui a déjà été 20 fois répété ? D'accord, mais pour toi, quels étaient les points les plus importants ? Non, moi, je vais peut-être, tu connais mon habitude, je vais peut-être finir par une boutade. Pourquoi ce passage temporel sur cette vie, si l'au-delà, donc la temporelle, est beaucoup plus importante. Mon idée, en fait, par rapport à ce qu'on a pu lire, c'est que la clé de tout ça, c'est cette vie pieuse, et que l'exemple à suivre est donc la piété. La perte de temps, l'éphémérité, enfin tout ce qu'on a vu, tout ce lois qui nous gênent et qui peuvent gêner pour avoir une vie pieuse, peut-être savoir le mettre de côté et allier l'utile à l'agréable. C'est ce qui manque aujourd'hui dans notre époque. On perd plus notre temps dans des futilités que d'aller à l'essentiel. Je ne vais pas faire de comparatif avec d'autres communautés. Ou dans notre communauté. J'ai vu Chamia qui avait réagi au tout début. J'ai encore vu dans l'amusement des choses qui sont liées à notre communauté. Et on a eu un exemple concret là, plusieurs exemples. Parfois, grâce à l'amusement, on arrive à ramener les gens vers la piété. Je ne dis pas que c'est l'essentiel, que c'est l'idéal. C'est un moyen. Si maintenant les gens prennent conscience qu'il faut se donner à fond dans notre mazhab, dans notre religion, et d'aller de l'avant, là on aura une belle sortie pour tout le monde, qui est celle de l'au-delà, et donc l'éternel dira. Donc la boutade, c'était pourquoi ce passage sur cette vie, alors que l'essentiel est au-delà. Alors que c'est cette vie qui est en fait la réussite pour l'au-delà. Donc, à nous de bien mener cette vie là pour être mieux lotis. Voilà, c'est comme ça que je veux dire. D'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup.